Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo super importante. Donc voilà, mon retour les gars sur YouTube, mon retour sur Dofus également. Et surtout, mon retour, donc là je vais vous le dire très prochainement. Avant tout, j'aimerais m'excuser pour mon absence. Donc pendant presque 3 semaines, j'ai pas pu vous sortir de vidéo. Alors pour les personnes qui me suivaient sur Facebook ou sur Twitter, ou voire même sur Snapchat, vous savez pourquoi je n'ai pas pu sortir de vidéo. C'est avant tout parce que je n'avais pas internet. Effectivement, j'ai eu quelques problèmes, j'ai eu quelques soucis d'internet. Alors effectivement, à un moment j'ai eu la fibre. Bon, là je vais tout vous expliquer. En fait, au début j'étais chez SFR, donc voilà, j'avais la DSL tranquille. Ensuite je suis passé donc chez Numéricable. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait on avait quelques petits soucis en fait de réception de la connexion. Donc, mais sinon la connexion était parfaite, mais par moment il y avait des coupures et c'était vraiment super gênant. Du coup on a dû encore repasser chez SFR avec la fibre cette fois. Cependant cette fois-ci en fait on a attendu tellement longtemps les gars, c'est pour vous dire, hein, on a fait la demande il y a 3 semaines. En 3 semaines en fait on a toujours pas reçu de box. Du coup on a dû refaire une demande, mais cette fois-ci chez Bbox, donc Bouygues, hein. Et franchement bah là on l'a reçu en quoi 4 jours, donc franchement je suis super satisfait. En plus la connexion bah c'est la même connexion que Numéricable en fibre, c'est une très très bonne connexion, enfin bref. Du coup voilà, bon ça c'était mon petit débriefing en ce qui concerne ce qui s'est passé, hein, malheureusement durant ces 3 semaines. Donc voilà, j'ai pas pu j'ai pas pu vous sortir de vidéo, mais j'ai pu me connecter en fait grâce à la connexion de mon portable, mais je ne pouvais pas vous upload des vidéos tout simplement parce que ça prenait beaucoup trop de place, beaucoup trop de données tout simplement. Sinon donc voilà en fait les gars, j'ai donc vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc ça c'était la première chose, donc voilà pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo durant 3 semaines. Donc bon, je tiens à m'excuser, même si effectivement c'est pas forcément de ma faute. D'ailleurs là vous pouvez voir dans ce combat que il y a quelqu'un d'autre qui joue le Zobad, donc c'est mon deuxième co-teamer. Alors ça aussi je vais vous l'expliquer, hein, très prochainement dans cette vidéo, mais c'était surtout avant tout bon, pour vous présenter mes excuses, parce que bon effectivement d'habitude je sors une vidéo tous les jours et ne pas sortir de vidéo comme ça pendant plusieurs jours, bon je sais, effectivement bon je me suis quand même on va dire que je vous ai dit ça sur Facebook et Twitter, mais pour les personnes qui ne me suivent pas sur Twitter vous n'étiez pas forcément au courant. Enfin bref, du coup les gars, aujourd'hui pourquoi est-ce que je vous dis justement le retour du vrai Joy en gros, c'est tout simplement parce que pendant longtemps en fait dans ma chaîne j'ai proposé uniquement du PVM, et là aujourd'hui les gars je vous annonce mon retour donc dans le PVM, mais c'est pas le PVM donjon bouffe tout, donjon royal moot, enfin voilà les donjons pourris. Non, moi quand je vous dis le retour du PVM c'est tous les donjons Dofus. Alors déjà il faut savoir aussi une chose, c'est que là maintenant la Sramette est niveau 199, donc voilà j'ai plus l'XP. Faut savoir que bon maintenant j'ai un deuxième co-teamer, donc c'est Elliot, vous le connaissez, on a déjà fait des colis ensemble. Du coup ça me fait deux co-teamers. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement parce que le premier co-teamer, donc Ange alias Funizox, ne peut pas forcément se connecter tout le temps. Et aussi parce qu'en fait avoir deux co-teamers ça peut être intéressant, dans la mesure où si un co-teamer n'est pas là, bah le deuxième il peut le remplacer très facilement. Et vu que moi mon objectif les gars, mon retour sur le PVM c'est pas les donjons RM tout ça, moi mon retour sur le PVM, mon premier objectif c'est de gérer tous les donjons. Et quand je dis tous les donjons, il y a Vortex dedans, il y a Srambad, tout ça filmé, va vraiment falloir que je le fasse. En tout cas je pense que ça se tente, surtout que maintenant que la Sramette et 199, donc bientôt 200, et eh bien c'est tout à fait faisable. En tout cas l'arène des voleurs il me semble que c'est beaucoup plus faisable avec une SRAM ou un roublard, enfin peut-être les deux, je ne sais pas. Donc du coup les gars, maintenant j'ai 7 persos, il y a un 8ème perso qui compte arriver, mais pas maintenant, ça sera dans quelques mois. Donc voilà, ça c'est dit. Après ça, attendez, j'avais d'autres trucs à vous dire. Oui, donc les succès ça va être pareil, là mon retour en ce qui concerne le PVM, ça sera un retour vraiment. Je vais dire, je vais me donner à fond dans tout ce qui est donc PVM, donc les nouveaux donjons, la nouvelle dimension et Kaflip. Là, je suis même pas encore parti dans cette dimension parce que, comme je vous l'ai dit, j'attendais justement d'avoir ma box pour enfin vous sortir
des vidéos, tout ça, et surtout donc voir ce que ça donne en ce qui concerne les nouvelles la nouvelle dimension qui est sortie, les nouveaux donjons. J'ai vraiment hâte de tester ça. En tout cas, donc voilà les gars, voilà, bon, je vous annonce mon retour sur le PM. Bon, j'espère quand même que ça va vous plaire, parce que c'est vrai que mon contenu depuis plusieurs mois se tourne plus vers le colis. Ne vous en faites pas, je ne vais pas arrêter le colis, hein. Le colis sera évidemment toujours présent. Cependant, je vais en faire moins. D'ailleurs, encore une nouvelle à vous annoncer. Je vous avais dit d'ailleurs, bon, vers janvier, que j'allais vous sortir durant le mois de février 2 vidéos par jour. Vu que là, pendant 3 semaines de février quasiment, je n'ai pas pu sortir de vidéos. Du coup, c'était, c'est un petit peu compliqué. Du coup, ce que je vais faire en fait, les gars, ça va être super simple. C'est que durant cette fin de mois, donc de février, je vous sortirai 2 vidéos par jour. Et attention, durant tout le mois de mars, je vous sortirai 2 vidéos par jour. Donc voilà, je pense que c'est le minimum que je puisse faire, étant donné qu'il y a eu 3 semaines où il n'y a pas eu de vidéo. Encore une fois, je tiens à m'en excuser, parce que voilà, je suis un youtubeur avant tout. D'ailleurs, on a atteint les 17 000 abonnés, je tiens encore vraiment une fois à vous remercier. Je pense en tout cas vous avoir tout dit. Mais ce qui est sûr, les gars, c'est que moi, mon objectif maintenant premier, c'est la rigolade. D'ailleurs, alors là, putain la vache, j'ai failli oublier ça. C'est que je compte reprendre ma guilde. L'un des objectifs avec en ce qui concerne le PVM, c'est monter la guilde niveau 200. Donc je compte recruter, peut-être rejoindre une alliance, donc du serveur Hercule. Je compte également faire comme la dernière fois, c'est-à-dire vous inviter à rejoindre ma guilde. Je ferai peut-être une vidéo entière sur la guilde, peut-être demain, peut-être après-demain. Mais les gars, je tiens vraiment à monter ma guilde niveau 200. Je tiens vraiment à m'amuser dans Dofus, donc Skype, etc. Effectivement, Skype, j'aime pas trop donner mon Skype, parce qu'il y a des DDoS, etc. Mais on verra comment on pourrait faire ça. Mais moi, tout ce que je veux dans Dofus, les gars, c'est m'amuser en fait. Parce que je me rends compte que qu'en fait, il y a une différence entre moi et des autres, pas forcément joueurs, mais des autres teams, par exemple, les autres membres des autres guildes. C'est-à-dire qu'en général, ils Skype, ils font des donjons à 8, etc. Et moi, je suis toujours là avec mes 6 comptes, mes 6 ou 7 comptes, quasiment tout seul. C'est pour ça que Elliot va me rejoindre, Ange continue à jouer avec nous. Du coup, on sera 3 à jouer, on va Skype, etc. On va vous faire des vidéos, on va essayer de faire un maximum de donjons. Mais franchement, en tout cas, moi, je suis super motivé à faire ça. Et surtout, je suis super motivé à up la guilde niveau 200. J'ai vraiment hâte, les gars. Qu'une seule chose, franchement, c'est recruter. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas recruter que des teams. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une erreur de recruter que des teams. Puis surtout, c'est une forme de discrimination pour les monocompteurs. Mais en tout cas, bon, je compte vraiment, les gars, recruter. La guilde niveau 200, alors peu importe le temps que ça prendra, mais en tout cas voilà, ça va être un de mes objectifs, avec notamment réaliser tous les donjons de Dofus. Après, pas forcément être full succès sur le CRA, parce que ça demande beaucoup de temps, je sais pas encore pour le full succès. Bon, avoir un maximum de succès, sachant que là, bon, j'ai 13 400, enfin bon voilà, en tout cas je pense vous avoir tout dit. En tout cas, j'espère que mon retour sur Dofus, en tout cas surtout sur le PVM, vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à liker. Si ça vous plaît, après si vous en fichez du PVM, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le colis, il y a beaucoup de personnes aussi qui adorent le PVM, et surtout il y a beaucoup de personnes en fait qui demandent à ce que je sois, que je diversifie mon contenu comme avant, c'est-à-dire avant je présentais des avis de recherche, PVP, colis, etc. Maintenant, les gars, je vais vraiment essayer de diversifier ça. Donc, n'oubliez pas, il y aura 2 vidéos par jour. À 14h, ça sera ou du colis ou du PVM. Et puis, à 18h, ça sera ou du colis ou du PVM. Je ne sais pas, en tout cas, il y aura un colis par jour et un combat PVM par jour. Voilà, sinon, les gars, c'était Dieu. J'espère comme que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à lâcher un like. Ciao, les gars.